Mercredi 22 5 2024. On y va? Il a fini notre message. Maintenant, mettez la suite donc. Mettez 5 primes. Bon, en fin de compte, c'est ce message que je voulais lire. Et puis le Saint-Esprit m'a pris pour parler autre chose. Donc, considérez ici comme message numéro 5 donc. Suriname. Notez, c'est Suriname. S-U-R-I-N-A-M-E. S-U-R-I-N-A-M-E. C'est un pays. C'est un petit pays dans l'Afrique du, en Amérique du Sud. Suriname. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Un pays, un petit pays vers l'Amérique du Sud, un esprit de pervertissement a pris les jeunes. Vous voyez que, pourquoi le Saint-Esprit André fait ça? Il a parlé des Jamaïques, il a parlé des musiciens, parce qu'il sait que vous avez l'esprit d'intercession ici, pour qu'on puisse tenir ferme. Par tous les pays que vous allez voir, le Saint-Esprit marque là, c'est parce qu'il y a le réveil qui se prépare là-bas. Et Satan connaît toujours que Dieu veut utiliser les jeunes. Il passe outre d'abord, il pervertit la jeunesse pour que ça ne se passe pas. Et donc, comme ils ne nous connaissent pas, Dieu nous veut qu'on prie pour eux, pour que l'Esprit de Dieu les révèle cela. Ça va susciter des foyers là-bas. Les gens vont prier, vont demander pardon, comme on a fait ici. Le Saint-Esprit va balayer ce petit pays. Donc Dieu appelle les intercesseurs à prier pour le petit pays Suriname. Un petit pays vers l'Amérique du Sud. Un esprit de perversion a pris les jeunes, particulièrement les jeunes filles. La pauvreté et la précarité ont fait de telles enceintes qu'elles veulent sortir de leur pays pour autre pays. Comprenez? Une fois de plus, comme dans le cadre des musiciens, il prend juste un cas, après il généralise. C'est un cas, un phénomène qui est dans le pays de l'Amérique du Sud, là, dans plusieurs autres pays. Donc Suriname, c'est le fief que le Saint-Esprit a montré. Puis il parle des pays alentours, d'autres pays en Amérique du Sud, que ce même esprit de se développer là-bas pour les gens dans la paix, les jeunes dans la perversité. Ce que j'ai vu dans la vision, c'était une jeune fille, enfin, c'était deux, qui ont fait l'effort d'aller dans un pays étranger. Et comme leur temps expirait là-bas, sachant que dans leur pays, il y a la pauvreté, elles cherchaient et calculaient leur époque de grossesse, là, comment vous appelez les... Flo-Flo. C'est Flo-Flo. C'est ma femme qui m'embrouille avec le Flo-Flo. Et dans la période féconde, elles font le rapport avec des garçons pour tomber enceinte des gens de ce pays, pour qu'on ne les rapatrie pas. Vous voyez comment la pauvreté et Satan peut dérégler les gens. Donc c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Et l'Esprit de Dieu dit qu'on prie pour eux contre l'esprit de perversion sur la jeunesse là-bas. Dans c'est Suriname qui m'a montré et dans toute l'Amérique latine en général. Vous y êtes? Très bien. Vous voyez le désespoir d'une jeunesse. Quand ce n'est pas possible de sortir, ceci occasionnera dans le pays les vols, les meurtres, la rébellion et les contestations. La révolution. Toute l'Amérique du Sud aura cela. Que le Seigneur ait compassion. Et puis il y a quelque chose que le Seigneur m'a parlé concernant, il y a des chrétiens. Ceux-ci, j'ai remarqué que c'était des noirs. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a l'un d'eux que quand il va écouter, il va savoir que c'est de lui que je parle. Ils ont quitté l'un d'entre eux est camerounais, chrétien. Il a quitté le Cameroun. Son itinéraire était essayer d'entrer en Amérique, mais il est bloqué quelque part dans la zone de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Le mot chrétien, si, on va traiter sur ça. D'accord? Permettez-moi, je vais revenir plus tard. C'est pour ça que ça me dérange de vouloir mettre ça dans la vision que j'ai eue. Bon, permettez-moi que j'utilise d'abord ça, en corrigeant ça plus tard, d'accord? Hey, oh, tu dors comment? Et au premier banc, c'est comment? Alors celui-ci, j'ai dit parmi les chrétiens que j'ai vu, il y a un Cameroun parce que Dieu me l'a montré. Il voulait entrer en Amérique, il n'a pas pu, il s'est trop bloqué là-bas. Là n'est pas le problème de l'entrée en Amérique ou quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, les circonstances néfastes ne doivent pas nous faire changer notre confession. Lui, il a changé sa confession par sa manière de vivre là-bas, compromettant le nom du Seigneur. Quand il est au milieu des gens, il fait des choses qu'il ne doit pas faire et il sait. Quand il rentre à la maison, il prie, demande pardon à Dieu. Le Saint-Esprit en lui le saisit maintenant. Il sait à qui je dois m'adresser. Donc, c'est le cas général. Parmi eux, il y a des gens qui sont chacun chrétien en cachette. Comme le siècle actuel dit que chaque personne vit sa foi seule.
Vous avez moi. Voilà le message donc pour l'Amérique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Oh, ce que Dieu m'a montré concernant ses frères, quand il va faire surface, je vais le dire, parce qu'il y a une grâce que Dieu a pour lui. S'il suit seulement la voie, là où il y a 800 000 personnes qui ne peuvent pas entrer, Dieu ouvre la porte, lui seul, il entre. Amen.